Sur deux ou trois jours, c'est un peu court quand même, mais on essaiera d'être plus nombreux la prochaine fois, quoi. Donc, j'ai une petite intervention à faire au nom de l'association France Cuba. Après la tentative ratée de putsch contre Hugo Chavez en 2002, après la tentative ratée d'assassinat contre le président Nicolas Maduro en 2018, les États-Unis d'Amérique et ses vassaux européens cherchent de nouveau à renverser la République bolivarienne du Venezuela. Fidèle à ses vieilles, dangereuses et infâmes méthodes, l'impérialisme yankee s'appuyant sur la bourgeoisie comprador et apatrine vise, par l'intermédiaire des agents de la CIA, à semer le chaos dans l'un des pays les plus progressistes de l'Amérique du Sud par l'organisation d'un coup d'État. L'impérialisme yankee, depuis le 19e siècle, cherche à contrôler le Venezuela, première réserve mondiale de pétrole brut. Pour ce faire, il est prêt à tout, y compris la guerre, toujours avec ses vassaux européens et le Brésil du fasciste Bolsonaro qu'il a récemment promu. Cette politique au service des multinationales est lourde de menaces pour la paix mondiale, déjà fragilisée par la course au contrôle et au pillage des matières premières, comme l'ont rappelé le mois dernier la Chine et la Russie. L'association France-Cuba, membre de la coordination française pour la levée du blocus à Cuba, n'accepte pas que l'impérialisme états-unien, en déclin avec ses 50 millions de pauvres, suivi des mêmes Européens, dont la France où les inégalités sociales explosent, fasse du Venezuela un nouveau Chili ou une nouvelle Syrie, alors que ce pays a réduit la pauvreté de moitié en 10 ans.
L'association France-Cuba n'accepte pas non plus que le banquier Macron, président le plus mal élu et le plus haï de la Ve République, qui réprime, gaze, éborgne et mutile le peuple de France qui a le courage de manifester par centaines de milliers pour sa liberté et une vie meilleure, s'ingère en notre nom dans les affaires intérieures d'un pays indépendant, comme il vient également de le faire militairement au Tchad, en bombardant les forces d'opposition au dictateur Idriss Déby. On attend d'ailleurs un positionnement aussi marqué de sa part, Emmanuel Macron, et de ses alliés en Haïti, pour une aide vis-à-vis de ce pays avec lequel nous avons une histoire commune. On risque d'attendre longtemps. Le pays le plus pauvre du monde ne possède malheureusement pas de matière première digne des appétits féroces des multinationales. L'association France-Cuba n'accepte pas que des gouvernements de l'Union européenne, dont la France, à la solde de ces multinationales, participent à un coup d'État en reconnaissant la marionnette de Washington, Juan Guaido, et fassent de nous les complices de leurs aventures coloniales à travers le monde. C'est pourquoi l'association France-Cuba exprime son soutien internationaliste et fraternel à la République bolivarienne du Venezuela et à son président légitime, Nicolas Maduro, élu par les travailleurs avec 68% des voix, soutenu par la majorité des Vénézuéliens et reconnu par l'ONU. Nous exigeons l'arrêt des manœuvres des impérialismes yankees et européens visant à l'instauration d'un nouveau régime sous domination états-unienne. Nous exigeons, et plus particulièrement du banquier Macron, à défaut de respecter le peuple de France, le respect de la démocratie, de la liberté et de la souveraineté du peuple du Venezuela. France-Cuba appelle tous les citoyens épris de liberté, de paix et de justice à participer aux nombreux rassemblements qui vont avoir lieu dans les prochains jours dans les régions, afin d'exprimer leur refus de toute ingérence dans les affaires intérieures d'États indépendants, et soutenir la République bolivarienne du Venezuela, qui résiste courageusement aux impérialismes yankees et européens. Viva Venezuela! On le donne la parole à Maria Luisa Müller de l'Assemblée des citoyens argentins en France. Camarades, amis, je le dis très fort parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il faut venir davantage. Le moment est gravissime. Et pas seulement pour le peuple vénézuélien, pas seulement pour les Caraïbes, pas seulement pour l'Amérique latine. Dans un avenir proche, tous les peuples du monde seront affectés par cette tentative d'invasion, plus que tentative, menée par Trump au Venezuela. C'est pourquoi l'Assemblée citoyenne argentine en France tient à dénoncer, mais également à prévenir sur les conséquences désastreuses de cette invasion, ainsi qu'à interpeller les situations et les dirigeants du monde de leur responsabilité face à l'histoire. La CAF condamne toute intervention d'une armée étrangère au Venezuela et les politiques explicites ou déguisées des blocus économiques, financiers et sociaux envers le Venezuela. Viva Venezuela! Viva! Merci. On demande à l'agent du Conseil pro Bolivia, Lee, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Conseil pro Bolivia est présent, comme toujours, pour appuyer la révolution bolivarienne au Venezuela. Il est présent, tout comme est présent Evo Morales, aux côtés du Venezuela, et tout le peuple bolivien conscient du fait que les destins de tous les pays d'Amérique latine sont liés. Viva Venezuela! On me donne la parole maintenant à Danilo de Collectif Entrami. Bonjour et à nom du peuple latino-américain, à nom de tout le peuple du monde, et merci pour la professionnalité avec la République bolivariana de Venezuela. Et les mots que je vais dire aujourd'hui, c'est quelques mots que dans l'année 1895, l'héros national de Cuba, José Martí, a dit. À l'époque, il a dit, qui s'élève avec Cuba aujourd'hui, s'élève pour toute la vie. Et aujourd'hui, on peut dire, qui s'élève avec la Venezuela bolivariana aujourd'hui, s'élève pour toute la vie. Et devemos nous, viva la révolution bolivariana. Maintenant, on le donne la parole à Amado Labouc de la Jeunesse communiste.
Bonjour, chers amis, chers camarades. Alors, au nom des jeunes communistes de France et des communistes français, je voulais vous dire tout notre soutien, bien sûr, au peuple vénézuélien, qu'on est contre le coup d'État et l'intervention militaire, ainsi que le blocus. Alors, c'est pas isolé, il y a un cycle de coups d'État en Amérique latine depuis quelques années, et le lien, c'est l'impérialisme, et c'est les forces réactionnaires qui essayent de reprendre du terrain contre les peuples. Et il y a deux scandales ici. Il y a d'abord Macron qui se permet de reconnaître un gouvernement dans un autre État, et contre le droit à l'autodétermination des peuples et des peuples souverains. Et puis, le deuxième scandale, c'est quand même ce qui s'est passé au Parlement européen, où 459 parlementaires européens se permettent de soutenir un putschiste au Venezuela, alors qu'ils n'ont aucun mandat des peuples européens pour faire ça. Donc, ce qui se passe au Venezuela, c'est une insulte et une attaque contre les peuples du monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut une réplique solidaire de tous les peuples contre l'intervention des forces réactionnaires, contre le blocus, pour la paix. Et car la paix au Venezuela, ça ne sera possible que s'il n'y a pas de blocus et que s'il n'y a pas d'intervention. Et donc il faut une solidarité de classe des peuples du monde avec la révolution socialiste. Alors merci aux organisateurs et aux organisatrices pour ce beau rassemblement. Et je pense que dans les semaines prochaines, nous allons pouvoir élargir ce soutien et être beaucoup plus nombreux et plus nombreuses dans les prochains rassemblements. Merci. S'il vous plaît, à Fabi Caserne de PRCF. Bonjour à toutes et tous, chers camarades. Et nous sommes contents de participer, le Pôle de Renaissance communiste en France, à ce rassemblement en soutien au Venezuela bolivarien, qui en fait est la nouvelle victime, et malheureusement probablement pas la dernière, de cette vaste offensive de l'impérialisme fasciste que l'on a vu arriver progressivement malheureusement au Brésil avec Bolsonaro. Et signalons déjà que, outre le Venezuela, et ça a été dit par les interventions précédentes, je ferai donc assez vite là-dessus, que la Bolivie, bien sûr, Cuba, mais aussi le Nicaragua sont désormais la cible de cet impérialisme. Que l'on pense à la déclaration très révélatrice de Donald Trump fin novembre dernier, qui expliquait que le Nicaragua constitue une menace extraordinaire et inhabituelle pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis, et ce qui nécessite l'urgence nationale. Cette urgence nationale, malheureusement, à l'heure actuelle, elle cible Nicolas Maduro et le peuple vénézuélien. Nicolas Maduro qui a été légitimement élu, on ne le répétera jamais assez, et qui se retrouve sous le feu de cet impérialisme avec le soutien bien sûr des affiliés européens, à commencer par M. Macron. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit précédemment, mais j'aimerais simplement souligner le fait que ce soutien de M. Macron, de M. Bolsonaro, de M. Trump au coup d'État en cours qui tente de se développer au Venezuela n'est pas un hasard. Mais il s'inscrit dans ce que le PRCF n'arrête pas de dénoncer depuis des années, à savoir la fascisation. La fascisation qui progresse non seulement bien sûr en Amérique, mais également dans toute l'Europe et à commencer par la France elle-même. Et finalement, soutenir le Venezuela bolivarien, soutenir Cuba socialiste, soutenir le Nicaragua sandiniste, soutenir la Bolivie d'Evo Morales, c'est aussi nous défendre, c'est aussi faire face à cette vague qui est en train de submerger non seulement l'Amérique, mais aussi le reste des continents dans le monde. Et donc, vous pouvez compter bien sûr sur le Pôle de Renaissance communiste en France pour participer à toutes les initiatives en soutien au Venezuela bolivarien et à toutes les forces progressistes, anti-impérialistes, antifascistes qui sont en lutte contre cette vague offensive, cette énorme offensive qui menace de tout détruire, les acquis sociaux, les conquêtes démocratiques. Vive le Venezuela bolivarien, vive la solidarité internationale, vencemos. Merci, merci. On donne la parole à M. Pouillot du Comité France de soutien au Venezuela.
Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris pour dire notre très grande colère. Mais qu'ont-ils fait de l'amitié, de la grande amitié qui lie le peuple français au peuple vénézuélien? Et cette amitié ne date pas d'hier. Souvenons-nous combien les idées françaises de liberté, d'égalité, de fraternité ont accompagné le travail de libération du général Francisco Miranda dès 1816, peu de temps avant le Grito de Dolores. Oui, ce général Francisco de Miranda, ce grand Français dont le nom est inscrit sous les voûtes de l'Arc de Triomphe ici à Paris. Souvenons-nous également de l'œuvre du libertador Simon Bolivar, œuvre attachée à la liberté, au respect de la personne humaine et au droit des hommes à disposer d'eux-mêmes, inspirée par les grands penseurs de la Révolution française. Nous refusons d'oublier ce que la France a transmis et nous refusons également d'oublier le soutien indéfectible du peuple du Venezuela au peuple français dans la lutte. Le 21 septembre 1964, à Caracas, souvenons-nous, le général de Gaulle rappelait « La France se souvient du soutien qu'aux heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, le Venezuela voulut apporter à la cause de la France libre, de la joie qu'il a manifestée en apprenant la libération de Paris. » Oui, aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de ce qui lie nos deux grands peuples et dont personne n'effacera cette histoire en commun. Aucun pouvoir constitué ne fera oublier cette histoire en commun. Et si nous sommes réunis aujourd'hui à Paris, c'est aussi pour un autre motif de très grande colère. Ce second motif de colère, c'est la honte ressentie par les Français quand le gouvernement de la France, et particulièrement le président de la République Emmanuel Macron, a osé faire injonction au président de la République du Venezuela, président constitutionnellement élu, injonction d'organiser ce week-end de nouvelles élections. Quelle honte! Quel mépris pour ce grand peuple ami, pour ce peuple souverain! Et quelle honte pour le peuple français! Quelle honte que ce viol des principes essentiels définis par la Charte des Nations Unies, alors que le Venezuela est respecté par la communauté internationale comme membre actif de l'ONU. Alors oui, nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire, malheur à la France. Malheur à ce pays dirigé par un prince qui sait tout du calcul des dividendes, des taux de retour sur investissement, mais ignore tout des principes supérieurs qui fondent la paix entre les nations. Oui, malheur au pays dont le prince est un enfant. Voilà les deux grands motifs de colère par lesquels nous sommes réunis ce jour à Paris. Colère partagée. Colère immense qui fonde aujourd'hui notre action en direction du peuple du Venezuela. Français de tous bords, de gauche, de droite, des gilets jaunes et de ceux qui n'en sont pas, nous avons décidé de nous réunir pour dire notre soutien au grand peuple du Venezuela. Un grand texte circule. Il dénonce tout à la fois la trahison de l'exécutif français, mais aussi la politique de propagande de l'ensemble des médias français. Un comité français de soutien au peuple du Venezuela vient d'être créé. Rejoignez le comité, il est ouvert à tous. Signez la grande pétition nationale, faites-la signer. Et ensemble, tous ensemble, faisons revivre la grande amitié franco-vénézuélienne au service des grands idéaux que nous avons en commun. J'ai nommé le respect des peuples dans le combat pour leur propre souveraineté, le respect des valeurs qui fondent l'humanité moderne, la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci. Merci. Et maintenant, on les donne la parole à Jorge Kuczynski. Jorge. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis là pour dire qu'il n'y a absolument aucun trait d'union possible à faire entre Maduro et Guaido, comme certains le font, y compris malheureusement à gauche. Il y a une légitimité et il y a la liberté des pays à fonctionner par eux-mêmes et nous luttons ici contre le droit d'ingérence. Or le problème c'est que les États-Unis et l'Union européenne s'asseyent totalement sur l'indépendance de certains pays, pas de tous, en l'occurrence le Venezuela. Il paraît que Maduro est un mauvais président. Ben, peut-être, je ne sais pas.
En tout cas, c'est le problème des Vénézuéliens. Et si on devait juger et destituer les mauvais présidents, à ce moment-là, il faudrait commencer par la France, parce qu'apparemment, le peuple de France n'aime pas beaucoup Macron. Il paraît que Maduro réprime. Mais moi, je suis français, et ce que je vois en France, c'est une catastrophe. C'est une répression qu'on n'a jamais vue depuis la guerre d'Algérie, depuis 1968. On doit le rappeler, contrairement à ce qui est déversé dans les médias, il y a non pas des casseurs qui ravagent les grandes villes de France, il y a malheureusement, pour le peuple de France, un gouvernement qui tire sur son peuple. Nous en sommes à 1900 blessés, une centaine graves, 5 amputations, 17 énucléations. Imaginons ce que l'on dirait de n'importe quel pays où ça arriverait. On demanderait évidemment une intervention militaire et on s'ingérerait. L'ingérence des États-Unis est puissante et importante depuis quelques années. On en parle un peu plus depuis que Trump est là. Il faut rappeler que concernant le Venezuela, depuis le mois de mai 2018, dans les revues les plus sérieuses de géopolitique aux États-Unis, je pense à Foreign Policy, on demande, on exige que soit fait un coup d'État au Venezuela. Et puis dans le New York Times, dans le Washington Post, on disserte longuement sur la légitimité d'un coup d'État. Et bien sûr, ce coup d'État est légitime. Et puis on oublie un peu trop facilement qu'il y a eu un coup d'État récemment en Honduras en 2009 contre le président Zelaya, soutenu par les États-Unis. À l'époque, c'était le sympathique Obama, prix Nobel de la paix. On en a parlé très peu, et de toute façon, François Hollande, président de la France, avait alors soutenu les conséquences de ce coup d'État, qui, doit-on le rappeler, a entraîné la mort de centaines de militants, de centaines d'étudiants, de professeurs, d'intellectuels, de journalistes, sans que jamais, ici, cela n'émeuve ni la France, ni l'Union européenne. Or, c'est bien ça le problème qu'on a. Je pense à notre camarade Jean Ziegler, qui a écrit dans son livre exceptionnel « La haine de l'Occident » qu'on ne peut pas instrumentaliser les droits de l'homme. Soit on est pour les droits de l'homme, soit on n'est pas pour les droits de l'homme. Or, la France a actuellement un problème grave. Et plutôt que de se mêler du Venezuela sur ordre des États-Unis, comme à l'époque François Hollande s'était mêlé de ce qui se passait dans un avion d'un président en exercice, celui de la Bolivie, pour vérifier si Snowden ne se trouvait pas dans les toilettes de l'avion, nous devrions plutôt nous mêler de ce qui se passe au Yémen. Parce que là, c'est la France qui est engagée. Notre honneur à tous, en ce moment, c'est la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, selon toutes les instances de l'ONU. 22 millions de personnes, je ne me trompe pas, j'ai vérifié plusieurs fois le chiffre, 22 millions de personnes sont menacées de faim sur une population de 28 millions. Parce qu'un blocus est organisé par l'Arabie Saoudite, avec laquelle nous sommes alliés, pour le rappeler, au cas où certains l'ont oublié au gouvernement, l'Arabie Saoudite est une théocratie parfaitement non démocratique. Bref, nous sommes ici pour rappeler que nous sommes contre l'ingérence, que le Venezuela est un pays démocratique, libre, et qui est libre de continuer son destin, et vive la révolution bolivarienne. On va les donner la place à les chanteurs, mais avant, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'organisations de la province de France, de Légion de Solidarité Bolivariana, à Provence, au Salon de Provence, de Légion del Cercle Bolivarien de Marseille, Légion de Marseille, nous sommes envoyés de communiquer, Légion de Bordeaux, Légion très révolutionnaire aussi, del nord de la France. On a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de soutien à ce rassemblement, mais malheureusement, il ne pouvait pas être ici. Donc, on doit remercier la participation de beaucoup de gens de la province de France avec la révolution bolivarienne. Maintenant, on les donne la parole de nouveau à la culture, à notre ami Lucho. Et après, on continuera avec la messe et des participations. Merci. Maduro carajo, vamos Maduro carajo, el pueblo no se rinde carajo,
Se siente, el pueblo está presente.